David Cirero, vous êtes marocain, Ouais. comédien, acteur, chanteur d'opéra. Ce que tu veux. Quels sont vos liens avec le Maroc et avec l'histoire judéo-maroc? Ah, c'est gentil. D'abord, je tiens à vous dire que je suis très, très heureux et très honoré d'être à vos côtés. Mohamed Parce que vous êtes quelqu'un que j'aime énormément, que j'admire, qui représente la fierté de toutes ces grandes personnalités marocaines. Et 360, je tiens à dire que c'est un média extraordinaire, que je suis beaucoup à New York. Et à chaque fois qu'il y a vraiment des articles très pointus, très beaux, bien expliqué, et à chaque fois, ça vient de 360. Donc pour moi, d'être là, c'est un très très Merci, beau cadeau. Un merci. grand merci. Donc, Donc le lien entre David et le Maroc. alors très simple, moi je suis né à Paris, mais par contre, mon père est de Fès, et très belle ville, Blady, Blady. Voilà. Et j'ai grandi dans la tradition marocaine, dans la culture marocaine, et j'ai toujours été très, 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 très proche des Marocains. Tous les Marocains, je dis, sont mes frères. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Toutes les Marocaines sont mes sœurs. Juifs ou musulmans. Il n'y a pas de différence pour moi. Parce que le Maroc n'a jamais fait de différence. Exact. C'est aussi ça. Je pense que ça fait partie de la culture et de la tradition marocaine. C'est qu'il n'y a jamais eu de différence entre que ce soit les religions, que ce soit... Voilà, c'est un pays pour tout le monde. Et ça se voit dans la générosité. C'est pour ça que c'est un des numéros un du tourisme, Exact. parce que la générosité se retrouve. Il y a un an, vous avez fait un don d'objets anciens et traditionnels au musée juif de Casablanca. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah, d'abord, ça me fait plaisir de vous en parler. Non, en fait, c'est moi, j'ai toujours collectionné l'art, j'ai toujours aimé l'art. Et puis, il y a eu cette opportunité de... Voilà, j'ai parti visiter ce beau musée avec Zohr Rehhil, qui est gentil, qu'on l'embrasse, et qui travaille beaucoup pour amener cette culture à tout le monde. Et pour moi, c'était aussi une façon de... Cette collection m'a proposé de la donner dans tous les musées juifs du monde entier, ou même d'autres musées qui n'étaient pas juifs. Mais pour moi, c'est une collection qui devait aller au Maroc, qui devait être donnée aux Marocains, parce que pour moi, elle représente l'artisanat marocain. Tous ces artistes anonymes qui ont fait de si belles choses, et pour moi, elles méritent d'être Des montrées. artistes musulmans Et et musulmans, principalement musulmans. principalement. C'est ça qui est beau. Aujourd'hui, vous habitez aux États-Unis, à New York. Est-ce que c'est important de représenter et de porter la culture marocaine? Ah, toujours. En fait, non seulement c'est important, tu as raison, mais en plus de ça, c'est un devoir, mais je ne me pose même pas la question, je te jure. C'est que quand je suis sur scène, quand je joue, il y a, et je m'en rends compte de plus en plus, beaucoup de marocanité dans le jeu, tu vois. Cette générosité, cette façon à C'est 200%, l'ADN, c'est c'est l'ADN l'ADN. marocain. C'est l'ADN marocain et les makrouts marocains aussi. Tu manges un makrout, tu peux chanter 2 heures. Et les concerts, on fait les mariages marocains, c'est de 8 heures du soir jusqu'à 8 heures 8 du heures du matin. matin. Voilà, donc on fait les 12 heures. Donc, y a pas de... C'est Paris-Los Angeles, on fait le vol entier. Donc voilà, c'est tout. Plus j'avance et plus je me sens, je me retrouve plus marocain. Et finalement, je me rends compte, c'est ce qui me différencie en tant que chanteur d'opéra. Parce que c'est vrai, au début, quand j'ai démarré, que je voulais faire de l'opéra, et les gens, je venais du Maroc, les gens riaient. Parce que c'est rigolo d'un côté. C'est comme Marocain qui est champion de ski, tu vois. C'est des Oui, choses qui ne vont c'est pas. Voilà. pas. Ouais. Et puis finalement, c'est ce qui m'a rendu un peu unique. Tu vois, c'était la façon avec laquelle je faisais certains rôles, la façon avec laquelle j'approchais le personnage, la façon avec laquelle j'avais envie d'ouvrir les portes. Quand on fermait la porte, je disais, attends, attends, Merci. attends. Je t'en prie. Donc, c'est aussi, voilà, ça c'est très marocain. Mais toujours avec le sourire, toujours. La question qui se pose, pourquoi l'opéra? Ah, pourquoi? Je ne sais pas. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Je faisais de la musique, j'étais pianiste à la base de jazz. Ça aussi, c'est rigolo, marocain dans le jazz, c'est rigolo. Mais voilà, on ne se pose pas la question. Je suis tombé dedans et c'était un coup de foudre. C'était un coup de foudre. Et un soir, je suis allé à l'opéra de New York, au Metropolitan Opera, il y a plus de 20 ans. Et je vois un opéra, je dis, oh, c'est ce que je veux faire.
Et le lendemain, je suis retourné à l'Opéra, au Metropolitan Opéra de New York, et j'ai dit, voilà, hier, j'ai vu un opéra pour la première fois. J'aimerais devenir chanteur d'opéra. Comment on fait? C'était avant, il y a Google. Avant, il n'y avait pas de... Rien. Avant, il fallait demander. C'est en quelle année? C'était 2001. Enfin, il y avait peut-être il y avait Internet. 20 ans. Pas, voilà, mais pas comme maintenant. Ouais. Tu vois. Et voilà. Et puis, bien sûr, j'avais fait du théâtre. J'avais pris bien sûr le cours de théâtre. J'avais joué déjà des pièces en anglais. Et j'ai toujours aimé le challenge. Vous voyez, quand on me dit même jouer Shakespeare en anglais, j'ai dit OK. Et vous avez marocanisé Shakespeare. Marocanisé Shakespeare. Ah, ça m'a plus envie de dire ça. Oui, avec Othello. Que j'ai joué Othello de Shakespeare. Pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait toujours une touche marocaine dans cette pièce. Et pas parce qu'il se dispute avec sa femme, parce qu'il est jaloux. Non. Mais l'histoire d'amour, la passion, le côté primitif de l'amour, d'un côté. Et j'ai dit, voilà, c'est une très belle pièce. Et puis, je l'ai adaptée à New York, dans un style marocain. Il y a eu un succès retentissant parce que, dans la pièce, j'ai ajouté des chansons en darija, voyez, et de la darbouka dans les trucs, et au lieu, voilà, avec le thé marocain, etc. Et en faisant des recherches, j'ai vu que le personnage de Othello a été inspiré par Shakespeare, par le sultan du Maroc de l'époque, qui était venu, parce qu'à l'époque, ils avaient ces grands foulards autour du visage, l'épée orientale, le sabre, comme ça. Donc, c'était comme des rock stars, donc quand il s'est baladé à Londres avec la reine, etc. Shakespeare a été fasciné par ce personnage et c'est comme ça que l'histoire est née. Il y a eu une autre pièce italienne aussi qui a été mélangée, ça donne Othello. Et voilà, je suis tombé. Pour moi, c'était un de mes rôles préférés et c'est vrai que ça a été une représentation extraordinaire. Vous êtes un habitué de Broadway. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour les Marocains? Ah, bah, d'abord. Et pour les jeunes. Oui. Je travaille beaucoup, beaucoup avec un groupe de Marocains qui s'appelle Moroccans in New York. Et eux, je les invite toujours à tous mes spectacles. Et ils viennent, ils sont invités, il n'y a pas de prix de place pour eux, ils sont invités. Et voilà, ils voient un spectacle, ils reconnaissent de l'humour, même si des fois je fais des trucs qui sont très, 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 très américains, ils reconnaissent la touche de... Allez, ouais. La douche marocaine, tu vois, dans le truc. Et même là, j'ai fait un show autour de la musique disco. C'est la première fois que je faisais un truc un petit peu contemporain avec une très, très grande réalisatrice d'origine marocaine, Lisa Zuelos, qui a fait les plus belles comédies françaises récentes. Et pareil, voilà, il y avait quelque chose finalement de très marocain, de la façon dont on a amené la musique disco. C'est-à-dire qu'on a voulu que les artistes se mélangent avec le public. Très bien. Vous voyez, finalement, ça aussi, c'est marocain. Très bien. J'ai une vidéo pour vous. Ah. Et j'aimerais bien avoir votre commentaire. Avec plaisir. Lé. Ah, là, je clique. J'adore cet air. Donc, c'est l'hymne national. Ouais. C'est la musique qui est belle, hein, pas moi. Ouais. Tu vois, parce que les gens, ils faisaient Bichi Allah al-Watan al-Malik. Et moi, je faisais Bichi Allah al-Watan al-Malik. Je le tenais très longtemps. Et ça. Vous tenez à chanter l'hymne national dans vos concerts. En général, j'aime beaucoup chanter les hymnes nationaux. David, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un honneur. Merci. On termine toujours avec avec grand plaisir, selfie vidéo. Donc, c'est à vous. J'adore ce monsieur. 360, c'est la meilleure chaîne au monde. Allez voir, on a fait une superbe émission ensemble. C'est mon frère adoré. Vive le Maroc, vive tous les Marocains. On vous aime, l'Aïkhalik. Merci, David. Merci à vous. Et maintenant, le... Mais ça devient grand plaisir, l'Aïkhalik. All right.